Lily Rose, ça va? Lily Rose, pourquoi elle crie? Allô? Hé Lily Rose, ça va? Bah ouais, ça va, et toi, pourquoi tu m'appelles? Tu t'habilles comment pour la soirée d'Halloween ce soir? C'est aujourd'hui? Ça trop bien! C'est aujourd'hui la soirée d'Halloween? Bah ouais, réfléchis, on est le 31 octobre, c'est aujourd'hui Halloween! Quoi, c'est une blague? Mais attends, mais j'ai pas de déguisement! Comment ça t'as pas de déguisement? Tu peux pas me prêter quelque chose là? Mais c'est la soirée chez Jessie, ça fait 2 mois qu'on en parle. Comment ça t'as pas de déguisement? Quoi? Mais moi je pensais que c'était demain ou après-demain, je sais pas moi, je me rappelle jamais de la date. T'es vraiment trop bête. Bon allez, je te laisse, moi je vais me déguiser en squelette. Trop beau. Mais... Oh, elle a raccroché. Purée, je vais faire comment? J'ai pas de déguisement. Faut vraiment que j'aille acheter quelque chose, mais... Je peux pas, c'est ce soir là, je dois me préparer maintenant. Comment je vais faire? C'est pas possible. Lily Rose, Lily Rose, Lily Rose, comment ça va? Ça me fait pas rire du tout. Ah, c'est bon, c'est mon déguisement pour la soirée d'Halloween chez Jace. Comment elle s'appelle déjà? Jace? Jessie? Je sais même plus comment elle s'appelle. Bon les amis, ce soir on a une méga soirée d'Halloween qui est prévue depuis... Oh, ça fait 2 mois qu'on doit y aller, ça va être incroyable. Lily Rose, est-ce que tu vas enfin me dire comment tu vas te déguiser? Mais c'est ça le problème. Comment ça c'est ça le problème? J'ai pas de déguisement, je pensais que c'était demain, j'ai totalement oublié de préparer quelque chose. Comment ça t'as pas de déguisement? Mais ça fait 2 mois qu'on est en train de préparer. Moi je sais que je vais m'habiller en citrouille géante les amis. J'ai prévu ce masque et après j'aurai des vêtements énormes. Comme ça je vais être une citrouille XXL, ça va être incroyable. Non mais arrête un peu là, t'es en train de me pranker, c'est un prank. Non vraiment. Non mais tu sais que c'est la soirée de l'année, il y a un concours du meilleur déguisement et celui qui le gagne, gagne une araignée géante en bonbon. Tu sais, je vais être dernière comme toutes les autres années. Bon, écoute, j'ai peut-être une idée. Peppa Pink qui est en train de chercher son déguisement. Peut-être qu'il y a une solution. Non mais les déguisements, c'est moche. Peppa Pink. Ah bah voilà. Vous êtes là. Alors regardez ce que j'ai trouvé. Ton déguisement. Oui mais j'ai trouvé une caisse là avec plein de déguisements. Ça va être génial. Ça ici. Ça va être génial. Regarde. Regarde, tu peux t'habiller comme ça. Ça fait vraiment peur ça. Oh là là, c'est montre-le. Tu fais la tête. Mets-le. Regarde. Oh là, ça c'est bien. Vas-y, sœur. Des bonbons, ouais, sœur. Une sorcière comme ça. Non, mais je veux pas de trucs comme Tiens, ça. Tiens, un alien, mets l'alien. Non, je veux pas m'habiller comme ça. Mais ah, tu regardes, des gants avec des belles griffes là, tu vas faire. Non. Mais tu veux t'habiller comment alors pour la... Non, mais c'est pas possible. Là. Bon, pour la soirée. Ça, Pink, désolé. Bon, trouve un déguisement. Non, j'étais trop. Trouve un déguisement dans la caisse. Vas-y. Moi c'est vite trouvé moi. Trouve un déguisement pour toi. Ça va être horrible. Ouais mais ce que t'as pas compris c'est que nous on veut gagner le concours. Donc ça va peut-être pas suffire. Super, vous allez gagner. Bon écoute Lily Rose, j'ai un truc à te dire. J'ai même pas de déguisement, comment je vais faire? Bon j'ai un truc à te dire, les magasins sont encore ouverts aujourd'hui. On peut aller acheter un déguisement d'Halloween. Mais par contre il va falloir faire très vite, parce que la soirée va commencer dans vraiment pas longtemps là. Ok. Mais par contre j'ai vu un truc qui me dérange un peu. J'ai vu une légende sur internet. Quoi? Qui dit que quand on achète son déguisement le jour d'Halloween, bah après il se passe des trucs bizarres pendant la soirée. Bah oui, je sais pas comment t'expliquer, mais apparemment quand on achète son déguisement d'Halloween le jour même, donc le jour de la soirée d'Halloween, quand on le porte, on peut se sentir bizarre, on voit des choses, les fantômes nous attaquent un peu, enfin bref. Bon, tu veux quand même aller l'acheter maintenant? Bah ouais, de toute façon, on est obligé. On n'a pas le choix. C'est la seule solution. Bon, écoutez les amis, on va prendre le risque d'aller acheter un déguisement maintenant. Et bah on se retrouve là-bas, t'as intérêt à bien choisir par contre. Là, ouais. Si on va en acheter un maintenant, t'as intérêt à gagner. Bon bah voilà, regardez, on est dans un petit, petit magasin de déguisement. Ouais. Sauf qu'elle trouve rien. Y'a rien, tout est moche. Ah, tout est moche, non mais c'est bon. En fait, c'est pour ça que t'as pas trouvé de déguisement. Bah oui. C'est parce que t'as rien vu. Et même chez nous, il n'y a rien du tout. Chez nous, il n'y a rien, alors qu'il y a plein de déguisements chez nous, avec tous les personnages qui viennent chez nous et tout. Regardez, là, elle est au rayon bougie. Elle va se déguiser en bougie, comme ça. Alors que là, il y a un rayon, il y a des rayons complets avec que des masques et tout. Bon, pour l'instant, on a acheté que des trucs pour la fête, là. Voilà, on a acheté que des trucs pour la fête, mais aucun déguisement. Mais si, regarde, tu mets ça. Ça, c'est bien, ça. Un petit clown. De quoi ça fait trop peur? Mais c'est une soirée d'Halloween, hein. Non, et moi je vais la mettre dans une mascotte, là, viens voir. Regarde, je vais te mettre dans une mascotte de flamant rose ou de panthère rose. Merci. Ou une mascotte de tigre. Et ça sera. Ah, viens voir, comme ça. Regarde, comme ça. Voilà.
l'ours brun. Tu choisis entre l'ours brun et le lutin. Voilà, et le Père Noël. Non, c'est bon. Ah mais si, comme ça. Bon les amis, là, il y a un milliard de déguisements, elle trouve rien. Non. Ça va, elle est contente. Ouais. Elle a trouvé, on va vous montrer juste après ce qu'elle a trouvé comme déguisement. Bon, c'est pas incroyable. Moi je mais pensais que ça allait... Moi je voulais que ça fasse peur. Ah mais c'est pas forcément le but c'est de se déguiser. Toute l'année on fait des vidéos qui font peur, là c'est Halloween, elle veut se défendre, vous allez voir. Ouais. Mais c'est pas mal quand même, j'espère vraiment que la légende va pas nous poursuivre, parce que vous savez très bien que normalement on n'a pas le droit d'acheter son costume le jour d'Halloween, sinon il y a une malédiction qui nous poursuit. Là j'ai regardé sur internet, même les gens dans le magasin ils m'ont dit « Ah vous achetez un costume d'Halloween le jour d'Halloween et tout, mais c'est pas trop risqué ». Bon on verra bien ce qui va se passer, ouais, on espère que la soirée chez JC va bien se dérouler. Et bah là on attend Peppa Pink hein, qui va se déguiser tout à l'heure, moi aussi. Là on va être tous les trois magnifiques. Comment ? Vous avez des costumes qui font peur. Nous on a des costumes qui font très peur, on va vous montrer ça. Le déguisement, le déguisement, le déguisement. Enfin. Alors là les abonnés étaient impatients. Ils sont impatients. Bon avant de vous montrer le déguisement, Bon, voilà, c'est un peu bizarre hein, pour l'instant. Mais regardez ce qu'on a acheté aussi. On a acheté, regardez-moi ça. Des confettis. Eh oui, des confettis, des ballons et tout. Parce que samedi, on fait un clip. Ouais. Un clip sur notre musique Merci. Voilà, vous la connaissez pas parce que bah forcément on n'a pas fait le clip pour l'instant, mais elle est sortie sur l'album Bubblegum. Peut-être que vous l'avez écouté. Vous pouvez aller l'écouter, vous tapez Merci Pink Lily, vous pouvez aller l'écouter. Et normalement le clip va sortir le 16 novembre si on le fait assez vite et que le montage, voilà. J'espère. Mais bon, on espère que vous allez aimer. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour le clip. Là, Lily Rose met ton déguisement. Allez, vous allez voir ce qu'elle a choisi. Là, alors. Il y a moyen qu'elle gagne, peut-être pas le prix du costume qui fait le plus peur, mais le prix du costume le plus rigolo. Je pense qu'il y a moyen, surtout qu'après vous allez comprendre, elle va se faire un maquillage, elle va peindre sa tête entièrement en vert, ça va être incroyable. Bon allez, on te laisse le mettre. Et surtout on espère qu'il n'y aura pas la malédiction du costume hanté d'Halloween. Révélation du costume. Des bonbons on sort. Trick or trick. Ah non mais regardez-moi ça. Oh mais venez madame. T'es venue avec qui la Lily Rose? Alors là regardez, c'est Lily Rose qui est portée par un alien. Tourne-toi un petit peu, un petit 360. Lily Rose qui s'est fait kidnapper par un alien, regardez-moi ça. Allez, en plus, c'est... Ah oui avec la citrouille. Oh là là. Oh là là, le combo XXL. Regardez-moi ça, les chaussures, c'est des shoes, c'est pas des chaussures. Le pantalon, il est bleu, on dirait Mario Bros, incroyable. Surtout Bros que Mario. Mettez une note en commentaire sur le... Mettez une note en commentaire sur le petit costume de Lily Rose. Bon, ça va, tu te sens bien? Bon, allez, nous, on va se déguiser aussi. On doit se préparer parce que là, la soirée va bientôt commencer, quoi. Dès que la nuit tombe, on doit y aller. Et moi j'ai préparé un truc, je vais vous montrer, ça va être incroyable, ça sera 10 fois mieux que Peppa Pink et ça. Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qui se passe? Monte. Lily Rose, ça va? Lily Rose, pourquoi elle crie? Lily Rose, qu'est-ce que tu fais? Non, elle est en train de devenir folle. Oh non mais c'est la malédiction. Non Lily Rose, tu fais quoi? Descends. Oh, je m'en doutais que ça allait mal terminer. Faut jamais acheter son costume le jour d'Halloween. Oh, c'est pas possible. Lily Rose, non. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête. Faut la mettre dehors. Va dehors. Outside the room. Allez. Ça va? Oh la pauvre. Elle est totalement contrôlée par l'esprit d'Halloween. Mais on peut pas l'emmener comme ça ce soir. Elle va faire le bazar, dans la fête. Alors, non, tu redeviens normal. Là, on est mal. Attends, bon, on va la laisser courir un peu comme ça partout dans la maison. Je crois qu'en lui donnant des bonbons, ça va la calmer. Ah non, là, on peut pas lui donner des bonbons maintenant. C'est ce soir, les bonbons. Bon, on va la laisser courir comme ça un petit peu dans la maison, en espérant qu'elle s'épuise un petit peu. Bon, en tout cas, le costume est super. On espère qu'elle va gagner au moins le prix du costume le plus marrant. Voilà. Et bon, toi, t'auras le costume du pire, le prix du pire costume, je pense. Enfin bref, les amis, peut-être qu'on vous fera une vidéo sur la soirée d'Halloween. On se dit à plus tard dans une autre vidéo. Et surtout, bonne soirée d'Halloween. N'ayez pas trop peur. Ciao.